a tari aria fiti o huruma hawa mata hiti poti puro tu no teiti. Tino ra warawa mata ia i a umaru tona i huru i tmom hana atoa. O ea huru atoa i roto i tangara vera auhipa. I hare atu o tau i o fouta o tontar ho pape. Nana e whari mai a o tau hau atoa e paru paru teiti hia mai o tau. I o tmom wani i tmom hana atoa no te hawa no te moha amara mara mara a in i hai in ai ho i tmom tarifa in ai ho atoa i tmom i te paru te pape. No atu e riro vo e paru te mo teiti hare me no te tau. Te tau. Ia o tia na e tana huipa, pini pini omi hia tai te tapapa atu i tata hiare i papeno, no te whaha i te mo are ma te ape hia atu. E tona hoa ai te tino e no te mea, e huipa auro hia te e ana a tau matu hiti i tēnei. Ia rana aut o hipa horue, tēnei na taupra tuane hapi aut whaha e, e whaha e ena hoa vo. I ne hoa tau vahi whaha e rā. Ka me pūrua i tata mate te iao. Rencontre avec la reine de beauté de Polynésie signée Vaiere Tauotha et Patita Savia. Cinq jours après son sacre, c'est avec un naturel et une simplicité que Mehiata Ria reprend le cours normal de sa vie. Depuis un an et demi, elle tient le poste de commerciale dans une société de la ville de Papeete. Et en plus d'avoir une tête bien faite, Mehiata a aussi une tête bien pleine. Je suis titulaire d'une licence en management que j'ai obtenue à Nice Sophia Antipolis l'année dernière. Ensuite, lorsque je suis revenue de France, j'ai démarré par un stage. Donc j'ai postulé en tant que stagiaire. Et à ce moment-là, ils recrutaient une conseillère commerciale. J'ai sauté sur l'occasion pour poser ma candidature. Mais la journée ne s'arrête pas là pour Mehiata qui, malgré un planning chargé avec son titre, trouve un moment pour pratiquer sa passion avec son petit ami Ariura. Si j'ai rien à faire, je pense à venir au surf. Au final, je ne perds pas mes bonnes habitudes. À 21 ans, Mehiata est une jeune femme accomplie et ambitieuse. Elle souhaite pourquoi pas décrocher le titre de Miss France et surtout, elle souhaite poursuivre ses études afin d'obtenir un master en marketing.